Lazare. Dis à ton voisin, il y a des gens qui doivent sortir. Il y a des gens qui doivent sortir. Ça vous fait. Oh. Ok. Oh Jesus Christ. Oh Jesus, la puissance de Dieu là. Jesus Christ, alléluia. Ça va? Jesus. Hein? Dans tout le corps. Jesus Christ. Jesus Christ, alléluia. Oh Jesus. Jésus est trop fort. Hein? Oh Jesus. La puissance de Dieu. Oh, visite cette dame dans tout son corps là au nom de Yeshua. Oh, bougez là un peu les jambes là. Il faut les bouger un peu là. Voilà. Voilà. Oh Jesus Christ. Jesus. Oh, il y a une belle présence de Dieu là. Il y a une onction de Dieu ici là. Oh, alléluia. Ce que tu vois, écris-le. Oh, je vous dis, ces jambes-là, Dieu les restaure là. Oh, alléluia, Jesus Christ. Ah oui, une onction sur elle là. Oh, Jesus Christ. Oh, Dieu est magnifique. Alléluia. Ce que tu vois. En fait, la foi chrétienne, c'est la contemplation. Nous contemplons la gloire de Dieu. Nous ne voyons pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux du cœur. Ben ouais. Les yeux de la foi. Là où les hommes disent c'est pas possible, Dieu dit tout est possible. Il n'a pas dit tout est possible à celui qui donne la dîme. Il n'a pas dit tout est possible à celui qui fait une grosse offrande. Tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, donc dis à ton voisin, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Oh Jesus Christ. Jesus Christ. L'onction travaille. Voici la présence de Dieu. Voici la présence de Dieu. Oh, il y a une onction ici, là, mes amis, là. La présence de Dieu. Là, là, la gloire de Dieu, là. Jesus Christ. Waouh. Voilà la puissance de Dieu. Il y a une onction ici, là, mes amis, là. Regarde, regarde. Là, il y a comme de l'eau ici, là. Regardez-moi ici, là. Il y a comme de l'eau ici, là. La puissance de Dieu. Oh Lord my God. Il y a le feu ici. Il y a le feu. Il y a le feu de Dieu ici. Là, là. Regarde-moi. Regarde-moi la puissance de Dieu. La nuée de Dieu se promène ici, là. Et Dieu est en train de guérir, de restaurer. Oh Jesus Christ. Oh, c'est magnifique ce que Dieu fait. C'est magnifique ce que Dieu fait. C'est magnifique, 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 magnifique. 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 Oh, Dieu, je ne sais pas ce qu'il veut faire là, mais il est pressé de démontrer sa force, sa puissance, afin que ses enfants l'adorent. Alléluia, Jesus Christ. Oh, Jesus. Regarde la présence de Dieu. Vous avez vu la gloire qui arrive ici, là. Regardez la puissance de Dieu. La gloire de Dieu, mon roi. Oh, les gars. Regardez-moi ça, là. Regardez-moi ces vagues d'onction, là. Vous avez vu ça? Regardez ça. Ces vagues d'onction de Dieu. Waouh! Il y a la nuée qui se balade ici, là. You are holy God. You are holy God. Holy God. Holy God. Oh! Là, il guérit, là. Là, il guérit. Il y a des tombeaux qui s'ouvrent. Des maladies qui s'en vont là au nom de Jésus de Nazareth. Tu peux, toi qui ne marchais pas. Oh Jesus. Oh Jesus. Ça va aller. C'est magnifique. C'est magnifique ici là. C'est magnifique la gloire de Dieu ici là. C'est magnifique, voilà, le feu là, là, là. Là, sur elle là. Vous avez vu ça là? Le feu, le feu.
N'ayez pas peur, la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Les démons qui sortent. Vous avez vu ça? Waouh. 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 Tu veux marcher, hein? Alléluia. Oh, Jesus. Oh, les gars. Oh, les gars. Voilà, là, c'est un démon qui sort, là. Là, c'est un démon qui sort. Un esprit de mort. Oh, Jesus. Waouh. Regardez la nuée de Dieu ici, là, pareil. Le feu du réveil. Allez, on y va, on y va. Tu peux y aller. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi. Julien. Roi, roi, oh le roi. Louons le Seigneur, louons-le encore, louons-le toujours, car son nom est grand. Louez le Seigneur, louez-le encore, louez-le toujours. Danse avec ma soeur, on y va. Oh, car il fait. Oh, béni soit. Il est le roi, il est le roi. Pense à moi, pense à moi. Oh, Seigneur, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Là-bas. Donne-lui une chaise normale. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, oh, alléluia. Eh. Donne-lui une chaise normale, Laura. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te louer. Oh, alléluia, oh, oh, amen. Alléluia, oh, alléluia, eh. Oh, alléluia, oh, oh, oh. Jésus, je t'aime, tu es mon roi, je veux te louer. Oh, Jésus, je t'aime, tu es mon roi, je veux te louer. Jésus, l'amour de ma vie, Jésus est celui qui guérit, il mérite toute la gloire. Jésus, oh, les handicapés sont guéris, les muets peuvent parler, les aveugles peuvent voir. Bouddha ne peut pas faire cela, Mohamed ne peut pas faire cela. Aucune religion ne peut guérir. Oh, oh, oh.
prenons place. Juste la mélodie. Wow. Jesus. On a chaud, hein? On peut ouvrir le volet là-bas, le rideau là-bas, s'il vous plaît. Mon frère Pierre, on va ouvrir le rideau là-bas, s'il te plaît, le rideau là. Qui est encouragé? Vous savez au ciel comment on va danser? Comme le roi David. Oh! Chante dans ta langue. En créole. Vous pouvez parler créole? Vous pouvez parler créole? On y va. Amen. Ouais, mais c'est en français, c'est de la Réunion. Amen. Ça va? Hein? Jésus, oh. Non, ça travaille. Dieu travaille. Tu le crois? Est-ce que tu le crois? Tu le crois là? Dieu travaille. Comme la sœur là-bas, Dieu travaille dans tout son corps. Il travaille. Amen. Il ne parle pas? Tu es venu avec? Il ne parle pas. Vous pensez qu'il peut parler? Il a fait un AVC, mais Jésus peut restaurer sa voix. Moi, c'est Jésus. Amenez-moi l'huile d'onction, l'huile d'olive.
là? Bonsoir Marie-Thérèse, ça va? Ça va? Oh, il y a une onction sur lui là, Dieu est en train de réparer ses cordes vocales. Je vous dis, je connais, je sais à peu près comment mon Dieu agit. Nous nous posons la main, lui il fait le reste. Ce que tu vois, écris-le et envoie-le aux sept églises. Dis à ton voisin, je suis membre de l'église. Alléluia. Je suis membre de l'église de Jésus. Je veux expérimenter sa gloire. Je veux vivre son feu dans ma vie, dans mon foyer, au nom de Jésus. Alléluia. Vous êtes là? Jésus est Seigneur? Jésus est Dieu? Regardez, regardez. Alors je me retournais pour voir celui dont la voix m'avait parlé. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or et au milieu de sept chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Waouh! Waouh! Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Il décrit Jésus. On ne peut pas décrire Allah. On ne peut pas décrire Shiva. Parce que Shiva, là, c'est un dessin que les hommes ont fait, tout ça. Mais là, là, j'ai vu la gloire de Dieu. Il décrit la beauté personnifiée. Il décrit la beauté par excellence. Il décrit le Dieu avec qui tu vas vivre pendant l'éternité. Vous savez, quand on décrit les mannequins, là, 1m80, il a les cheveux châtains, bleus, tout. Mais là, là, c'est pas pareil. Là, c'est une description spirituelle, prophétique, royale. On dit comme un fils d'homme. Pourquoi fils d'homme? Fils de l'homme. Pour sauver l'homme. Satan voulait te détruire. Dieu est devenu homme. Dieu s'est transformé. C'est... Oh, alléluia. Dieu, alléluia, a pris la forme humaine. Oh mon Dieu. Oh, je veux parler à une femme dont le médecin, que le médecin a condamné, dont le médecin a condamné. Je veux te dire, ma soeur, là où tu es venue ici pour la première fois, Dieu met sa main sur toi. Dieu te sort de là. Il te sort de là, de ta tombe. Au nom de Yeshua, alléluia. Jesus Christ, alléluia. Oh, Jesus. C'est terrible ce que Dieu fait dans ta vie, ma soeur. Là, là, c'est fini. Cette souffrance-là, cette confusion. Fini. Et là, il décrit Jésus. Frère, ce n'est pas la description catholique. Non. Ce n'est pas le Jésus dont on vous a parlé là, avec photos, cheveux longs, yeux bleus. Non. Il a des cheveux ici, là, hein, tout blanc, un sourire royal. Quand on voit son sourire, on ne peut que tomber devant lui et dire j'abandonne le péché, j'abandonne le mensonge, j'abandonne la sorcellerie, le racisme. Quand on voit Jésus, c'est même pas lui qui te dit quitte le péché. C'est toi-même qui commence à confesser. Seigneur, je suis voleur, je suis menteur, je suis ci. Il n'a pas encore parlé. Sa présence seulement. Waouh! Et devant lui, quelle que soit ta grandeur, tu seras à genoux. Roi ou pas, président ou pas, à genoux. Quand Jésus arrive dans une ville, avant même qu'il n'arrive, admettons que nous sommes à Évry, avant même qu'il n'arrive, on va dire qu'il n'est pas encore sur terre, il est seulement sur Mars. Mais il dit simplement, je vais à Évry. Frère, les anges viennent déjà. Les anges le précèdent. Ils balaient la route. Et les anges et les démons, tout le monde balait la route. Et je veux dire à quelqu'un, oh Jésus, je veux dire à un frère, à une sœur. Et vous savez ce qui se passe? Le tapis sur lequel Jésus marche. Les scorpions et les serpents. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les... Qui sont les scorpions et les serpents? Les démons.
Donc, quand il arrive quelque part, tous les démons du pays sont sur le ventre. Alléluia, alléluia, oh. C'est ça Jésus. Oh Jesus. Non, Jean a vu ici. Il était dépassé. Il dit sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Il a des cheveux. Il a des cheveux comme de la laine blanche. Et sa tête toute blanche. Oh, son visage est très très lumineux, très, mais plus que le soleil. Tu peux prendre même 1 milliard de soleils, ça ne va pas briller autant que le visage de Jésus de Nazareth. C'est pour cela, même les anges ne peuvent pas fixer son regard. Ils prennent leurs ailes, ils se couvrent la face. Et il dit, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Ses pieds, de l'airain. L'airain, c'est le jugement. L'airain. Quand Jésus pose son pied dans un pays, c'est le jugement qui arrive. Le jugement. Il y a deux types de jugement. Il y a la condamnation des impies et il y a la justification des enfants de Dieu. Oh oui. Oh oui. C'est le réveil que nous sommes en train de, que nous commençons à expérimenter. Dieu est en train de marcher. Il est en train de se lever, d'agir et les sorciers qui ne veulent pas se convertir, les pécheurs sont condamnés. Et les gens qui veulent se convertir sont justifiés. Les enfants de Dieu sont justifiés. Et il dit, et sa voix, ses pieds étaient comme si, ses pieds étaient comme embrasés dans une fournaise. Et sa voix comme le bruit de grandes eaux. Les grandes eaux. Vous savez le tsunami. Quand Dieu parle, c'est comme, vous avez vu le tsunami là? Quand Jésus parle, regardez, autour de toi, il y avait comme une digue. La digue, là, ça s'appelle le péché qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. La masturbation, l'impudicité, l'homosexualité, tout ça, là. Et il y a comme des digues. Il y a aussi la sorcellerie, il y a aussi la religion. Mais quand Jésus arrive, quand il parle, les digues sautent, cèdent, explosent et les eaux atteignent ta vie. C'est pour cela qu'il a dit, celui qui croit en moi, des fleuves, pas un fleuve, mais des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et sa voix, c'est comme de l'eau. L'eau, c'est l'esprit de feu. C'est l'esprit de Dieu. Il dit, je répandrai des eaux sur le sol altéré. Il va répandre son eau sur ta vie. Il va répandre ses eaux sur ton foyer. Il va répandre sa parole sur ton cœur. Jesus. Oh, je vois des digues qui sautent ici. Je vois des digues qui sautent ici. Je vois des liens qui sont brisés. Je vois des prisons qui explosent au nom de Yeshua. Des maladies qui sautent. Ta famille qui ne veut pas se convertir. Dieu dit qu'il y aura des conversions de tes parents. Oh, alléluia. Jesus Christ. Oh, alléluia. Désormais, quand tu vas plier tes genoux pour adorer Dieu en esprit, en vérité, c'est le feu qui va se répandre. C'est le feu de Dieu. C'est la puissance de la résurrection qui va commencer à se manifester. Jesus Christ. Il est là, hein? Il est là. Le Jésus est là. Il est là. Il est là. Moi-même, je ne comprends pas ce qu'il fait. Il y en a qui se disent, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout ça? Eh bien, là où il y a la vie, là où il y a la vie, il y a des cris. Dieu visite son peuple. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Dieu dit à quelqu'un, qui es-tu, grande montagne? Devant mon enfant, tu seras aplani, tu seras rasé, tu seras détruite, tu seras renversé, tu seras écrasé. Jesus Christ, au nom de Jésus. Mes amis, je sais à peu près de qui je parle. Je dis bien depuis 30 ans que j'essaie de le servir. Il ne m'a jamais déçu. Je vous dis, un homme peut te promettre des choses sans les réaliser. Il peut même mourir avant d'accomplir ses promesses. Mais quand Jésus te fait une promesse,
Oh, alléluia. Il te lie à sa parole. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc Dieu va veiller en même temps sur toi, toi qui as reçu sa promesse. Oh, alléluia, Jesus Christ, alléluia, Jesus Christ. Le réveil est là. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Jesus Christ. Quel que soit ton âge, quelle que soit la couleur de ta peau, ton origine, ton sexe, quel que soit ton genre, je veux dire à quelqu'un ici, si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a promis quelque chose, oh, crains-le, marche dans la sainteté, qu'il pleuve, qu'il neige, Dieu accomplira sa promesse dans ta vie. Il est là. Je vous dis, Jésus est là. Porte et levez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Jésus-Christ, le roi d'Israël. Jésus. Le maître est là. Le maître des maîtres. Celui qui t'a créé, qui t'a façonné. Holy God. Holy God. Holy God. Holy God. Jesus. Oh, il t'aime. Il t'aime. Il te dit, ma fille, je t'ai choisi. Mon fils, c'est toi que j'ai appelé. Mon enfant, je vois tes pleurs. Je vois tes larmes. Jésus est là. Alléluia. Alléluia. Sa présence, dans sa présence, il te rassure, il te dit fortifie-toi, je sais, je te connais. Holy God, you are holy. Je t'aime.
Dieu. I need you, Lord. Père, 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 nous voici. Nous voici. Dieu veut marcher sur les choses qui te retiennent. Dieu veut marcher sur les choses qui t'empêchent d'aller de l'avant. Dieu veut écraser ces chaînes, briser ces liens qui t'empêchent d'aller de l'avant, d'aller plus loin avec lui. Il veut te restaurer définitivement au nom de Yeshua. Alléluia. Le Seigneur dit au verset 18: je tiens les clés de la mort et de l'enfer. Vous vous rendez compte? Jésus dit qu'il tient les clés de la mort et de l'enfer. Et il a dit à Jean: écris ce que tu as vu et envoie cela aux églises. En fait, le Seigneur veut que les chrétiens sachent que non seulement qu'il est le Fils de l'homme, qu'il est Dieu, mais il veut également que tu saches et que tu comprennes, que tu expérimentes qu'il a vaincu la mort. Qu'il a vaincu la mort. En fait, c'est lui qui a le dernier mot. Oh oui. Ça veut dire que les hommes peuvent s'unir contre ta vie. Ils peuvent faire des projets contre toi, contre ta famille, contre ton foyer. Ils peuvent t'envoyer des maladies. Mais celui qui a dit tout est accompli est celui qui a le dernier mot. Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait des complots contre moi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Oh, dans 6 mois, c'est fini. Dans 6 mois, tout s'écroule. 3 mois après, ils ont disparu. Et Jésus continue, n'est-ce pas, de libérer son peuple. Oh oui. Et il veut que tu le saches. Il veut que tu le vois. Il veut que tu l'expérimentes. À lui la majesté. Oh, alléluia. Quand on expérimente cette vie, on ne peut plus pécher volontairement. C'est fini. Même si les pensées impures viennent, non, non, Seigneur, je refuse. Même si les gens viennent et te disent, viens, on va se faire de l'argent. Même si tu n'as rien, tu diras, je ne veux plus me compromettre. Parce que j'ai expérimenté. On voit des handicapés qui se lèvent, des muets qui parlent, des sourds qui entendent, des cancéreux qui sont guéris, des organes qui repoussent. Mais, mes amis, et surtout par-dessus tout, nous voyons la transformation des cœurs, des vies, transformées, des restaurations de foyers, des sorciers qui se lèvent et qui disent, nous ne voulons plus avoir affaire à Lucifer, nous voulons suivre Jésus-Christ de Nazareth. Et on voit des nations, des Noirs, des Arabes, des Métis, des Indiens, des Chinois, des Asiatiques, des Africains, des Antillais, les frères et sœurs de l'Asie, de l'Europe de l'Est, des gens de toutes sortes que Dieu touche, que Dieu libère, que Dieu restaure. Non. Oh. Oh oui, ma sœur Marie-Thérèse. Ça va? Wow. Quelqu'un a été attaché avec des cadenas, plusieurs cadenas attachés.
C'est une personne qui est venue pour la première fois. Il y a un ange qui est venu avec une épée. Et il a brisé, il brise les cadenas. Oui, tu es là. Le Seigneur est en train de te libérer, de te rendre libre. Tu reçois cette délivrance que tu attends depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Sors de ta prison aujourd'hui. Démon, lâchez ce corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lâchez cet enfant. Lâchez cette jeune fille. Sortez de là. Allez, sortez. Voilà. Quittez-la. Sortez. Au nom de Yeshua. Sortez. Sortez de là. Voilà. Amène-la-moi. Oh. Tu es baptisé par immersion? Sors de ce corps là derrière là-bas. Je vois un esprit en noir. Sors de ce corps là. Oh, quitte cet enfant. Prenez les enfants là. Sors, sortez, 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 sortez. Sortez d'elle. Oh, Jesus. Magnifique. C'est réglé. Réglé. C'est ton jour. Quelqu'un ici est condamné. Quelqu'un qui est venu nouvellement. On a libéré des paroles de malédiction. On a maudit ta famille. Et cette malédiction t'a touché, t'a affecté. L'Esprit de Dieu voit cette souffrance familiale. Et il est en train de t'arracher. Je dis, Dieu t'arrache de là. La puissance des ténèbres est vaincue au nom de Yeshua. Je commande à cette chose de s'en aller maintenant. On arrivait à t'atteindre par la voie de cette malédiction, par le moyen de cette malédiction. Et aujourd'hui, Dieu t'a amené ici pour mettre fin à ta souffrance, à ta confusion. Sors! Jesus Christ. Amène-la moi. Oh. Oh, Jesus Christ. Quitte-la. Là, au nom de Yeshua, la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection au Père. Je vous dis, il y a des anges qui sont descendus avec des épées. Ils sont en train de briser des chaînes, de briser des liens. Il y a beaucoup de démons qui commencent à sortir. Là, 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 il y a des démons qui sortent. Amenez-moi ces personnes possédées. On peut vraiment acclamer le Seigneur de gloire, notre Dieu. Reçois les acclamations, Jésus. Amenez-moi ces personnes possédées que Dieu est en train de libérer. Oh Saint-Esprit, dis à ton voisin, Jésus est là. Jésus est là. Regardez-moi la gloire de Dieu. Regardez-moi la gloire de Dieu. Sors. Sors au nom de Jésus. Oh, c'est pas fini. Écoutez, il y a des démons, là, là, au moment où je parle, des démons, il y a une guerre dans l'esprit. Il y a une guerre. Il y a des démons ici qui tiennent, qui dirigent des familles depuis des générations.
Ça sort. Ça sort. Des démons qui imposent le célibat, qui empêchent les mariages dans les familles. Je dis là, ça sort. Ces puissances démoniaques commencent à quitter vos familles, à quitter vos vies, à quitter vos familles. Maintenant, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Oh Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Oh. Il y a quelque chose ici. C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire est là. La gloire est là. La gloire est là. Oh, la gloire de Dieu. Ça sort. Les démons de haine. Les démons de colère. Les démons de haine qui t'empêchent de pardonner. Ce démon qui t'empêchait de pardonner. Il est en train de sortir de ton âme. Il est en train de s'en aller. Là, 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 là. Acclame Dieu. Oh Jésus de Nazareth, acclame Dieu, acclame Dieu. Oh Jésus. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Les anges guerriers sont arrivés là. Les anges guerriers sont arrivés. Et ils sont en train de déloger les démons. Ils sont en train de déloger les démons. Ils sont en train de déloger des démons ici. Ils sont en train de déloger les esprits de serpents. D'attraper ces esprits. Oh, regardez-moi la gloire de Dieu. Regardez-moi la gloire de Dieu. Elle ne va pas se marier. Elle ne va pas se marier. Je ne veux pas qu'elle se marie. Je suis son oncle. Je suis son oncle. Et je ne veux pas qu'elle se marie. Elle va rester célibataire. Elle va rester célibataire. Je ne veux pas qu'elle se marie. Pourquoi sa sœur, elle va se marier? Je ne veux pas qu'elle se marie. Elle ne doit pas se marier. Pourquoi vous voulez me chasser? Je veux pas qu'elle se marie. Je veux pas. Je veux les condamner. Pourquoi sa sœur doit se marier? Pourquoi tu as tout fait pour qu'elle se marie? Pourquoi tu fais tout pour qu'elle se marie? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux qu'elle se marie? Elle va pas se marier, c'est dit. Elle va pas se marier. Elle va pas se marier. Acclamez le Seigneur de gloire. Alléluia. Oh Jésus de Nazareth. Jesus. Au nom de, au nom de, au nom de. Oh, mais elle ne se mariera pas. Elle ne se mariera pas. Sa famille m'appartient. J'ai dit qu'aucune des filles, aucune des filles ne se mariera. Je les ai achetées. Elle ne se mariera pas. Sa petite sœur qui veut se marier ne se mariera pas parce que je suis là. J'ai dit non. J'ai pris vos mariages. J'ai pris vos mariages. Votre famille m'a vendu vos mariages. Elles sont à moi. Elles sont à moi. Ces filles ne se marieront pas. C'est du mensonge. Au nom de... Ces démons mentent. Qui n'a jamais vu ça?
Qui n'a jamais vu ça là? Qui est choqué de voir tout ça là? Qui réalise que Jésus existe? Écoutez. On doit partir, on me l'a donné, on me l'a donné, on me l'a donné. Vous avez vu comment les démons ont peur? C'est pas fini. Dis à ton voisin, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Vous savez pourquoi? C'est pas fini. Je vous dis, écoutez bien. Écoutez bien. Là, Dieu s'occupe de ces cas-là. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une personne qui est assise là. On l'a mariée la nuit. On l'a épousée pendant la nuit. On lui a mis une bague par son mari de nuit. Là. Voilà. Tu es là. Marie de nuit. Tu ne penses pas que Dieu m'a montré tes œuvres? Je m'adresse à toi. Je veux que toi-même, tu amènes ce corps ici. Je veux que toi-même, tu amènes ce corps ici. Je veux que toi-même, tu amènes ce corps ici. Cette femme n'est plus ta femme. Elle n'est plus ta femme. C'est fini. Ton règne est fini. Au nom de Yeshua, viens ici. Viens ici. Viens ici au nom de Jésus de Nazareth. Amène-toi ici. Vite. Tout de suite. Amène-toi ici. Au nom de Jésus. Laissez-la. Elle-même, elle va venir à ce corps-là. À genoux. À genoux, démon. Là. Ça vient du Cameroun. Sorcellerie camerounaise. Deuxième mari de nuit. Écoutez bien, c'est là. Écoutez bien. Il y a une femme qui se demande à chaque fois pourquoi elle ne se marie pas. Pourquoi les hommes n'arrivent pas à l'épouser. Tu es là. Tu n'en pouvais plus. Aujourd'hui, ma sœur, c'est le jour où Dieu va te libérer de ce mari de nuit qui est là caché depuis des années. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Là, ça sort. Amène-la-moi là au nom de Yeshua. Jesus Christ. Oh Jésus, Jésus, sirène, tu lâches ce corps là, Mami Wata, là c'est Mami Wata, là c'est la sirène, avec une longue queue, sors, au nom de Jésus de Nazareth, mari de nuit, regardez-moi ce mari de nuit là, vous avez vu ce démon là, ce mari de nuit, vous avez vu ça? Regardez-moi ce démon. Vous avez vu comment le démon a peur? Parce qu'il y a la lumière. Vous avez vu? Ah ah! Vous avez vu ça? La puissance de Dieu est là. Oh Jesus. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Regardez. Le démon veut fuir. Ah ah ah! Oh la gloire de Dieu. Vous avez vu? Le démon a peur. Celui qui est en moi est plus grand. Celui qui est en vous, Jésus qui est en nous est plus grand. Mm-hmm. Sors de là. Qui t'a dit de venir dans ce corps là? Hein? Qui t'a donné l'autorisation d'occuper ce corps là? Qui t'a permis d'être dans ce corps là, démon? Jesus Christ. Oh Jesus. Dis à ton voisin, c'est l'hôpital. C'est pas fini, écoutez bien. Écoutez bien. Jesus. Dieu s'occupe des gens qui sont ici. Il n'y a pas besoin d'imposer les mains, de crier ou sortir. Non. Dieu est là. Quelqu'un est attaché comme ça. Ah ah. Elle ne va pas se marier. Sa soeur aussi ne se mariera pas. La dot ne sera pas abolie. La dot ne sera pas abolie dans cette famille. Je ne veux pas. J'ai dit, elle ne va pas se marier. Tu te trompes. Pourquoi? Tu te trompes. Tu es qui? Je suis le fils de Dieu. Moi, je suis Félix, le plus grand sorcier de la famille. Je suis Félix, le plus grand sorcier de la famille. Et je dis qu'elle ne se mariera pas. Sabrina, tu crois que tu vas te marier? Tu ne te marieras pas, j'ai dit. Tu te trompes au nom de... Au nom de... Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Non, je veux pas. Chassez ce démon-là. Chassez cet esprit.
Jesus. Tu m'énerves. Tu veux quoi en fait? Tu veux quoi? Tu m'énerves, Sora. Tu me connais, toi? Tu me connais? Tu sais qui je suis, moi? Je suis Félix, je t'ai dit. Tu sais qui je suis, moi? Je suis Félix. Pourquoi tu veux me chasser de ce corps? J'ai dit toutes les filles de la famille ne se marient. Tu te trompes. Et. De qui tu me parles, toi? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi tu m'envoies le feu maintenant? Pourquoi tu m'envoies le feu? Allez, sors! Allez, sors! Yes. Allez, sors! 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 Acclame Dieu! Alléluia! Amen! Amen, amen, alléluia, amen, 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 alléluia. Oh, oh, amen, amen, amen. Regardez, regardez, regardez. Dieu, vous savez, il m'a donné une vision là. J'ai vu le Seigneur sur son trône et il nous regarde comme ça. Il y a comme des faisceaux de lumière. Elle a beaucoup souffert. Elle souffre beaucoup. Jeune fille, le Seigneur a mis fin à ta souffrance. Il t'aime. Jésus, s'il te plaît, je suis allé me délivrer, papa, délivre-moi, papa, je t'en supplie, délivre-moi. C'est fini, c'est réglé. Le Père t'aime, jeune fille, il t'aime et il te guérit, il te libère. Magnifique Père, magnifique Père, magnifique Papa. Oh. Il y a une personne attachée, dont les mains sont attachées comme ça. Attachées, les deux mains. On t'a ligoté, on t'a attaché. Le Seigneur a vu cette souffrance. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Plus rien ne va. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. Vous avez vu? Là où Dieu agit, on ne force pas pour les démons, pour chasser les démons. Non? La gloire de Dieu vient, les démons eux-mêmes demandent la permission de sortir. Eux-mêmes. Comme là, là, là. Là. Un démon qui a été. Oh. Elle aime Jésus, hein? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jeune fille, lève-toi, donne-moi ta main. Donne-moi ta main, lève-toi. Tu es baptisé? Lève-toi. Oh. Tu viens souvent ici? C'est la première fois. Comment tu nous as connus? Ma mère, elle écoutait TV de vie. Et après, je suis partie télécharger l'application. J'ai regardé vos vidéos. J'ai vu à quel point Dieu est grand. À quel point Dieu m'a fait grâce dans ma vie. À quel point Dieu m'a fait grâce. Dis-moi, quel âge as-tu? J'ai 16 ans. Oh. Oh. Papa, pardon si j'ai péché contre toi, papa. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu de toute grâce. Pardon, papa, je t'en supplie. Ah, il t'a pardonné, il t'a pardonné. Pardonne-moi. Il t'a pardonné. Tu sais que tu vas beaucoup le servir. Oh, nom de Jésus. Amen. Ta maman est là? Oh, toi aussi tu as reçu une délivrance aujourd'hui. Et ton papa est où? Mon papa, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Oh, Jésus, il va l'être. Alléluia. Oh, mais c'est magnifique. Viens prendre ta fille dans tes bras.
Elle a besoin de ton amour aussi, beaucoup, beaucoup encore, encore. Na, 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 na. Na, na, na. Oh. Anne, vous pouvez la voir avec Mira à la fin pour essayer un peu de parler avec elle. Je te présente deux jeunes sœurs comme toi et elles vont beaucoup aussi t'aider. Hein? Je vois que tu aimes le Seigneur. Tu vas te marier et tu vas servir le Seigneur. Tu vois, parce que tu as confessé ton péché, le Seigneur t'a délivré. Oh. Ben, tu peux prendre ta soeur dans tes bras, hein? Ben, bien sûr, parce que c'est. Hein? Alléluia. Magnifique Saint-Esprit. Magnifique. Quand on voit toute cette foule là, le réveil est là. Le réveil. Il y a des besoins. On va prier encore jusqu'à la fin de cette année, jusqu'à ce que le Seigneur répande encore son esprit sur toute la France, le Maghreb, l'Europe. Vous savez ce que je vois là? Le balai d'ange. Ça monte, ça descend. Comme l'échelle de Jacob. Avec des harpes, des chauffards. Et loue Dieu. Dieu dit qu'il veut se servir puissamment de ses enfants, ses instruments, pour annoncer son retour glorieux. Waouh! Waouh!